Non, c'est qui Ahmed? Parce que Soumbi s'appelle aussi. Bah oui, c'est vrai. Mamadou, hein. Hein, Mamadou Soumarou. Oui. Donc, je n'ai pas compris, on parle de. Non, comment? Non, nickel. Nickel, c'est bon, Soumbi. D'accord, ok. Donc, okay. Aujourd'hui, je vous parle, moi, de cyclisme. Ah! C'est peu. Alors, au Nigeria? Non, pas du tout au Nigeria. Que, alors, si tu savais, quand je vais te dire le pays, je sais que tu ne vas pas en revenir. Le Niger, pas loin du Nigeria. Non plus. Plutôt vers le Soudan, l'Éthiopie. Bref, on en parle plus tard. Kenya. Non, Cheikh. Je vous parle en tout cas de Binyam Girmay. C'est un cycliste qui a remporté, donc j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, le Gant Wevelgem. C'est une course qui se déroule fin mars en Flandre, donc en Belgique, avant le Tour des Flandres. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de lui précisément? Parce que c'est le premier Africain, donc d'Afrique subsaharienne, à avoir remporté cette course dans toute l'histoire, juste devant le Français Christophe Laporte. Alors, il est érythréen. Donc il nous vient tout droit d'Érythrée. C'est un pays qui se situe entre l'Éthiopie et le Soudan. Non, je ne vous parle pas de Nigeria aujourd'hui. Vous inquiétez pas, demain je vous parlerai du Nigeria. Je suis persuadé que le promoteur de ce tour, c'est un Nigérien. Donc, ou alors la musique officielle, c'est... Non, c'est ce véritable succès historique. C'est un véritable succès historique pour le cyclisme africain qui n'avait jamais justement remporté eh bien, de course de ce niveau-là. Et même lui, en fait, il n'avait jamais remporté de course à ce niveau-là. Et je trouve ça juste super. Il a battu qui, là, tout à l'heure? Il a battu Christophe Laporte. Il a 21 ans. Il paraît que Laporte lui a ouvert la porte. C'est pour ça qu'il a gagné. Certainement. Que ce genre de prestation, enfin ce genre de record est à saluer. Et puis voilà, bravo à lui quoi. D'accord, bravo l'INSEE pour cette trouvaille. De rien.